Salut, bienvenue sur Matekar. Pour calculer cette somme des cubes de 1 à n, on va utiliser la même méthode qu'on a utilisée pour la somme des carrés de 1 à n. Pour les carrés de 1 à n, on a utilisé le fait que k plus 1 à la puissance 3 moins k à la puissance 3 est égal. On a utilisé cette différence pour trouver la somme des k carrés. Alors maintenant, on va utiliser k plus 1 à la puissance 4 moins k à la puissance 4. Alors pour trouver k plus 1 à la puissance 4, alors je vous donne une méthode pour facilement trouver cette identité au développé. Alors on écrit k à la puissance 4, k à la puissance 3, k au carré, k à la puissance 1, k à la puissance 0 et on simplifie. Alors, k à la puissance 0, c'est 1. K à la puissance 1, c'est k. Maintenant, il nous manque les coefficients. Alors, les coefficients, on peut les trouver en utilisant le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, ça s'écrit comme ça. Ça se fait comme ça. Alors, 1, 1, 1. De même, pour le troisième étage, alors, on commence par 1. Ici, on fait la somme de 1 et 1, ça donne 2. La somme là. Et on finit par 1. On continue comme ça, donc ça donne 1, 1 plus 2, c'est 3, 2 plus 1, c'est 3, on finit par 1. Maintenant, ça sont les coefficients de k plus 1 à la puissance 3. Nous avons besoin de k plus 1 à la puissance 4, donc c'est 1, 1 plus 3, c'est 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4 et on finit par 1. Voilà nos coefficients. Donc ce sont 1, 4, 6, 4, 1. C'est 1, 4, voilà, 6, 4 et 1. Alors on replace. Donc c'est k à la puissance 4 plus 4k carré, k au cube plus 6k carré plus 4k plus 1 moins le k à la puissance 4, celui-ci. On simplifie, donc on retrouve donc le k à la puissance 4 se simplifie avec le moins k à la puissance 4 et on trouve 4k à la puissance 3 plus 6k au carré plus 4k plus 1. Alors, la technique consiste à réécrire cette égalité pour deux différentes k, ou bien pour k de, à partir de 1 jusqu'à n plus 1. On commence par l'exécuter pour k égale à 1. Ça, donc, pour k égale à 1, donc c'est moins 1 à la puissance 4. Ici, ça sera 1 plus 1 à la puissance 4, c'est-à-dire 2 à la puissance 4, égale, donc, égale 4. Puissance 3, 4 fois 1 à la puissance 3, plus 6 fois 1 au carré, alors, on effectue la même chose pour 3, donc ça donne, alors ici, ça sera 3 à la puissance 4 égale 4 fois à la puissance 3, donc c'est 2 à la puissance 3 plus 6 fois 2 au carré plus 4 fois 2 plus 1. Donc c'est 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 3, 2 au carré, 2 plus 1. Ici, c'est 2 à la puissance 0, on sait 1. La même chose pour 3. Maintenant, c'est pour 3. Je vais commencer par écrire 3. Donc, on aura 3 ici, 3 ici, 3 ici et 3 ici. Après, je remplis par les autres. Donc, c'est 4 à la puissance 4 moins 3 à la puissance 4 égale 4 fois 3 au cube plus 6 fois 3 au carré plus c'est 4 fois 3 plus 1. Alors on continue comme ça jusqu'à donc ça sera beaucoup d'égalité jusqu'à arriver à
N. Alors pour N, on va obtenir ici c'est N à la puissance 4 moins. Alors le terme ici, ça sera le terme qui précède N, c'est N moins 1. Voilà, à la puissance 4. Alors de même ici, N moins 1 à la puissance 4, 3, N moins 1 au carré, N moins 1 à la puissance 1. Si c'est 4 fois n moins 1 à la puissance 3 plus 6 en n moins 1 au carré plus 4 fois n moins 1 plus 1. De même, on effectue la dernière étape pour n plus pour n. Donc ici, ça sera n plus 1 moins 6, voilà, au carré plus 4 fois plus 1. Donc c'est n à la puissance 4, n à la puissance 3, n au carré, n à la puissance 1 plus 1. Alors en effectuant la somme des membres de gauche, tous les membres de gauche, donc on remarque que 2 à la puissance 4 va se simplifier avec moins 2 à la puissance 4. De même pour 3, de même pour 4, ainsi de suite, jusqu'à arriver à n moins à la puissance 4, il va se simplifier avec le n moins à la puissance 4 de l'égalité précédente. N à la puissance 4, de même avec moins n à la puissance 4. Donc au total, il va rester n à la puissance 1, n plus 1, pardon, à la puissance 4 et moins 1 à la puissance 4 qui est égal à 1 tout simplement. Alors pour les autres membres, les membres de droite, si on considère seulement les premiers termes, ben comme vous remarquez, il y a le 4 qui apparaît dans tous les termes. Donc on peut factoriser par 4. Donc ça sera 4 facteurs bien fois 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus jusqu'à n au cube. Et c'est la somme qu'on cherche. Donc je vais la noter S3. Plus, on effectue la même chose pour les deuxièmes termes. Qu'est-ce que vous remarquez? Le nombre, le facteur en commun, c'est 6. Donc on a 6 facteurs de 1 carré, 2 carré, plus 3 carré, plus n au carré. Et ça, c'est la somme des carrés de 1 à n. Donc, on a déjà calculé cette somme dans une vidéo précédente, vous pouvez la voir. Alors ça donne 6 fois cette somme des 1 à n des carrés. On va la noter S2 plus. Alors troisièmement, remarque qu'on a 4 qui apparaît dans tous les termes. Et on a aussi 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Donc c'est 4 fois la somme de 1 jusqu'à n. Ce sont les. On peut la noter S1 plus. Alors ici, c'est 1 qui se répète n fois. Donc on peut l'avoir comme S0, si vous voulez, parce que ça sera S0, ça sera 1 puissance 0 plus 2 à la puissance 0 plus jusqu'à n à la puissance 0, qui n'est autre que 1 plus 1 plus 1 n fois, c'est tout simplement c'est n. Alors on peut la noter S0 si vous voulez. Voilà. Alors nous, on cherche la valeur de S3 en fonction de n. On a déjà montré que S2, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. S1, c'est n fois n plus 1, le tout sur 2. Et S0, c'est la somme des 1 n fois, c'est n. Donc, sauf S3, toutes les autres membres s'écrivent en fonction de n. Donc, on va penser tout simplement à isoler le S3. Allons-y, effectuons ça. Donc, S4, S3 est égal à n plus 1 à la puissance 4 moins 1. Alors, je vais faire passer les autres termes dans l'autre côté. Ça donne moins 6 S2 moins 4 S1 moins S0
Je remplace, alors ACN plus 1, la puissance 4, moins 1, moins, alors, moins 6, fois, on a dit, c'est n fois n plus 1, c'est n fois n plus 1, fois 2n plus 1, le tout sur 6, moins 4, fois n plus 1, là, c'est la fois n plus 1, le tout sur 2, moins n égale. Je simplifie, c'est n plus 1, la puissance 4, moins 1. Alors le 6 se réduit avec 6, ça donne moins n facteur n plus 1, facteur 2n plus 1, moins, alors ici le 2 à 4 sur 2, c'est 2, donc il reste 2 facteurs n plus 1, moins n, égale. Alors, je vais changer la place de moins 1 auprès de moins n. Ça donne n plus 1, la puissance 4. Moins n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Moins 2n facteur n plus 1. Moins n moins 1. Alors ici, je peux factoriser par moins 1. Donc ça va donner moins n plus 1. Et le moins n plus 1. C'est un facteur en commun entre tous les termes. Donc je peux factoriser par n plus 1. Donc ça donne n plus 1, facteur de n plus 1 à la puissance 3, moins n fois 2n plus 1, moins, alors ici il reste 2n et ici il reste moins 1. Égal. Donc c'est n plus 1 facteur 2. Alors ici je vais développer. Donc n plus 1 à la puissance 3, c'est n à la puissance 3 plus 3n au carré plus 3n plus 1. Vous voyez, ce sont les coefficients dans le triangle de Pascal pour à la puissance 3. C'est étage 1, 3, 3, 1. Les voilà. Et les puissances, on commence de 3 jusqu'à 0. C'est 3, 2, 1. Oui, n à la puissance 0, c'est 1. Oui, on continue le développement. Donc ça donne moins n fois 2n, c'est moins 2n au carré. Moins n fois 1, c'est moins n. Moins 2n, moins 1. On cherche des simplifications. On a ici 1, moins 1. Se simplifie aussi, on a moins n moins 2n, c'est moins 3n, et se simplifie avec plus 3n. Voilà. Pour 3n au carré moins 2n au carré, il va rester n au carré, je pense. Oui, c'est n au carré. Alors, donc c'est n plus 1 facteur n à la puissance 3. Et 3n au carré moins 2n au carré, c'est plus n au carré. Alors, on peut ici factoriser par n au carré. Alors, ça donne n au carré facteur n plus 1. Et ici, si je factorise alors par n au carré, ça reste ici n. Et l'autre, c'est 1. Donc, c'est n au carré fois n plus 1 au carré. Donc, on a montré que 4s3 est égal à n au carré fois n plus 1 au carré. C'est-à-dire, c'est. On peut simplifier comme ça. Donc, c'est n fois n plus 1 tout carré. Donc, je peux faire passer le 4 de l'autre côté. Ça devient n plus 1 fois n. Tout au carré sur 4, et on peut l'écrire sous cette forme. Alors, c'est n plus 1 sur 2, le tout au carré. Et je pense que vous avez remarqué qu'il s'agit de quoi? C'est le S1. Alors, il y a cette relation entre la somme de 1 jusqu'à n et la somme de 1 jusqu'à n des cubes. Donc, c'est n'est autre que S1 au carré. Et voilà le résultat qu'on cherche. C'est ça qui est
S1 au carré, c'est cette valeur. Alors, merci pour votre attention. Je vous invite à voir les autres sommations qu'on a déjà montrées. Et aussi, je vous propose de montrer cette égalité en utilisant, comme exercice, en utilisant un raisonnement par récurrence.